Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon appétit, bienvenue pour cet indirect sur Distraint 2. Voilà, on vient juste de finir le 1, là, tout de suite, maintenant. On enchaîne avec le 2, espérons qu'il soit pas aussi longuet que le 1, quand même. Voilà. Espérons qu'il ait un peu revitalisé un petit peu le jeu. Jouer. Ah, déjà, ça change. Allô? Allô? Et voilà, ok. Déjà, ça change. J'ai une souris. Ah, putain, ça... Ok, donc déjà, souris clavier. Ça va peut-être être mieux. Français. Ah. Distraint 2. Ah, on retrouve l'option du... Oh, c'est exactement le même menu. Pas foulé, hein. Volume de dialogue moyen, sous-titre français, bien entendu. WS, Shift, Space. Vous savez quoi? Ouais, je vais remapper les touches pour éviter qu'on se fasse aussi que... Merde. Oh. Oh, shit. Je crois que j'ai... Ah! Ah, putain! Non! Ah! Alt F4! Ok. Oh, putain! 2 minutes de jeu, dans le menu, il y a un bug. Ah, mais ça, c'est les joies de l'indirect aussi, hein. Haut, droite, bas, gauche. Inventaire. Non, action, espace. Ah bon, bah, action. Ah, je vais remplacer après. Bah tiens, je vais remettre mon clavier en français. Non. Non, ah oh, ah, oh, mais merde. Oh. Courir. Ah, bah voilà, enfin. Il y a un bouton pour courir. Très bien. Reprendre. Oh putain. Nouvelle partie, c'est parti. Tout donné... oui, bien entendu. Distraint 2. Yeah. Waouh, on a lissé les graphismes. Mon nom est Price. Pour m'associer à McDade, Burton et Moore, j'ai dû expulser les gens de leur domicile. Tel était mon travail. Donc c'est bien la suite, hein, pardon. Mais il était devenu évident que ce n'était pas mon genre de boulot. Il y avait cette adorable veuve âgée nommée Mrs. Goodwin. Il lui a confisqué son toit. Quelque chose s'est brisé en moi. Elle ne m'a jamais fait de reproche. Pourtant, je ne pourrai jamais me le pardonner. Notamment après son décès. À la fin, j'ai perdu toute envie de vivre. Décidé à mettre fin à tout cela, j'ai mis le canon d'un fusil dans ma bouche. Fin de menu. Prologue. Ah, il y a des chapitres. Raison. Bon, alors du coup, est-ce que je suis mort ? Appuyez sur right and left pour vous déplacer. Oh, d'accord. Qu'est-ce que... Appuyez sur espace pour continuer le dialogue. Où suis-je? C'est pas bête d'avoir mis le dialogue, un signe de dialogue dans une bulle et tous les sous-titres en dessous. Je ne devrais pas exister. Je ne devrais plus exister. Hey, est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne comprends pas. Shift pour courir. Ah mais paye ta course quoi. Ah. Un vieux, c'est mystérieux. Quand il court, c'est... Hey vieux. Bonjour. Bonjour. Ah. Pas bête, pas bête. Excusez-moi. Où suis-je et qui êtes-vous? Je suis... Raison! Malheureusement, j'ignore comment te répondre de façon compréhensible. Mais je serai ton guide, si tu me le permets. Mon guide? C'est quoi? En fait, là, on est en train de faire un remake de... Ah, comment ça s'appelle? L'enfer de Dante?
Je t'en prie, écoute ce que j'ai à te dire. Je ne comprends pas. Je suis une part de toi. Nous sommes liés. Raison. Oui, je comprends que tout cela soit déroutant. Quel est cet endroit? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Je ne peux l'expliquer. Je ne comprends pas. J'étais prêt à appuyer sur la gâchette. Oui, je ne suis pas sûr que vous puissiez exprimer tout cela par les mots. Putain de nez! Pop! Merde! T'as une moustache qui chatouille, bordel de merde! Mais vous avez fini à cet endroit pour une certaine raison! Je voulais juste partir. Je ne me supportais plus. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Oui. Vois-tu, il y a beaucoup de choses que tu n'as pas encore expérimentées. Tu as besoin d'apprendre comment te pardonner. Je ne suis pas sûr de pouvoir... Cela serait difficile dans ta situation actuelle. Mais tu peux me faire confiance. Tu dois te retrouver. Tu dois trouver espoir. C'est le seul moyen de te soigner. Tout cela est tellement accablant. Je t'en prie, trouve espoir et tout changera. Je vais essayer. C'est tout ce que je peux te demander. Nous nous reverrons bientôt. Putain, mais encore des traductions de merde. Oh, distance to. Et si je décide d'aller de l'autre côté? Mur invisible. Où tout a commencé. Appeler l'ascenseur. D'accord, donc on peut faire plusieurs actions. Frapper. 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 D'accord. Donc dès que ça fait... Voilà, ça veut dire... Non. D'accord. Appelons l'ascenseur. Ça c'est le début du 1 en fait. Je suis dans mon bâtiment quoi. Dans mon immeuble. Il ne se passe rien. Impressionnant. Poc poc poc. Il n'est pas chez moi. Excusez-moi. Il y a quelqu'un? Non. Bonjour. 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 Pouvez-vous ouvrir s'il vous plaît? Hey! Un éléphant! Ah, moi avec des yeux en dollar. Que se passe-t-il? Dis quoi tu raccordes? Bonjour. Bonjour. Et moi je prends l'ascenseur. Hein, permettez. Clac, 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 clac. Ok, donc là, on est dans un trip bien, bien comme il faut. C'était moi quelques années auparavant. Ah. Bon bleu, il drop de l'argent. Très bien vu. Incroyable. Le voile rouge, première partie. D'accord. Oh. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi pas? Suis-je mort? Ou suis-je vivant? District 2 ne sauvegarde pas automatiquement votre progression pour sauvegarder. Votre progression utilisée. Ceci. D'accord. Il y a marqué Greed sur la porte, ce qui veut dire avarice. Rien à faire, la porte est verrouillée. Ah merde, j'ai pas sauvegardé. Chaleur et froideur. J'ai sauvegardé la partie. Que ça signifie? Ok. Bonjour. Chiotte. Ça c'est bien, ils nous ont quand même indiqué 2-3 trucs. Ok, salle de bain, pas très poétique. Oh, faut se cacher. Ok, examiner. Le lave-linge est vieux et ça. Il quoi? Il manque un cadran. Ah, il faut un cadran. Oh. Une douche bien rouillée. Il doit se détacher aussi assez facilement. Ah, yes. Petite baramine. Ah, putain, ça c'est de la poche quand même. Hein. Ah, tiens, hop, ça fait cette taille. C'est l'espèce de. C'est le Senzu. Putain. Poétiser. Hop. Attends, t'as quoi? Okay. Oui, je. Ah, d'accord, ok.
Il y avait une petite flèche. En effet. Tuyau rouillé. Une fois l'objet sélectionné. Ok. Non. Bon, d'accord. Examinez vos... Appuyez sur E. Ah oui, non, d'accord, ok. Ok, ça marche. Bien. Ok. Il a pas dû le mettre dans sa poche, en fait. Ah. Notamment le principe même de l'anus magique. Tu... Ah, là, il y a une... Ah, d'accord. Il y avait une, un symbole de... De porte... De sauvegarde. J'ai toujours aimé près du feu... Et qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose dans la cheminée. Et qui n'a rien à y faire. Peut-être pourrais-je le déloger avec quelque chose. Tuyau rouillé. Ah ah. En même temps, il a l'anus de face, hein, vous me direz. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est du charbon. Ramassé. Ça va te brûler la gueule. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un cadran de lave-linge. Comme c'est bien fait, quand même. Oui. Est-ce que quelqu'un vient de bouger dans l'ombre? Mais non. Bonjour. Attends, je vais sauvegarder, tiens. D'abord. Avant toute chose. Parce qu'on sait jamais. Ok. Logique sur 20, bien sûr. Ah, j'avais envie de... Attends. Pas très poétique. Et si je vais là, là où il y avait le monstre? Non. D'accord, ok. Bonjour. Oh, tiens, un petit cadran de... Petit cadran de lave-linge. Je me demande si cela va bien ici. Et tu veux que ça soit autre? What? Chut, chut. Hein? Oh. Oh putain, ça me rappelle Anon, ça. Ah d'accord, ok. Là. 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 Ok. Ah, heureusement c'est plus simple qu'Anon. Voilà. Ah, je vais attendre la fin du programme. Il va falloir se cacher. C'est quoi ce bruit? Je ferais mieux de me cacher rapidement. Créature de cauchemar, première partie. Ah, un grand vieux qui marche lentement. Bonjour! Ah, je peux pas sortir. Je voulais sortir au moment où il était devant moi. Bonsoir. C'est même pas un éléphant. Ouais, remboursé. Zou. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, si tu veux le savoir, fallait sortir de là, abruti. Que signifie tout ceci? Ah, fin du programme. Voyons. Un glaçon. En effet, c'est familier. Il doit y avoir quelque chose dans le glaçon. Bah oui. Comme d'habitude. Ah non, merde. C'est... Ouais, c'est un peu ça, ouais. Gare à ton anus. Non, c'est... comment il s'appelle? Big Cock? Non, Big Cock... Qu'est-ce qui t'arrive? D'accord. Glaçon. Glaçon dans feu. Je suis sûr que ça va fondre dans quelques instants. C'est fondu. Tuyau rouillé. Voilà. Badcock. Ah oui, Badcock. Badcock, bien évidemment. Quelque chose dans le glaçon. Non, putain, mais pas tuyau rouillé. Ramasser. Une clé. À quoi correspond-elle? Une porte. Entrée. La source de flamme. Bonjour. Pouette. Examinez, hein, il y a quelque chose derrière le canapé. Déplace-le. Bah oui, vas-y, déplace-le. Amuse-toi bien. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce truc? J'ai besoin d'y voir plus près. C'est mini. Ah, il y a des puzzles maintenant. Ah, bah ce jeu a l'air plus sympa.
D'accord, et espace pour tourner. Ah d'accord, oui. Bah, ça va, après c'est pas non plus le puzzle de ouf. Mais il manque... Il a l'air de manquer une pièce. Bah... Pardon. Pourquoi il y a des flashs de lumière comme ça, c'est nul. Entrez. Badcock. Sauvegardons. Ah bah oui, le greed était fermé. Greed. Clé. Ah, comme le jeu est bien fait quand même. Oh putain, ça y est, ça recommande. Attendez, ça refait comme Isaac. Voilà. Et... C'est bon. Ok. Entrez. J'aurais pas tapé sur mon... Oh... Ah putain. Ah non. Ah, encore une mauvaise traduction. Oh mec. Où est-ce que je vais? Bonne question. Très bonne question. Il n'y a absolument rien dans cette pièce. Si ce n'est qu'en fait, c'était juste un... Petite zone à toucher, voilà, pour pouvoir continuer le jeu. Regardez. Ah, il y a une musique quand je vais dessus. Ah oui, c'est quand je vais dessus. Ok. Enter. Fi-fi-du-du. Chiotte. De nouveau. J'ai loupé un truc au grid, c'est pas possible. Et j'ai pas d'autres objets. Bon. Ok. Super. Oh. Oh, on se fait déjà chier. Oh, ça a pas tardé, hein. Soit... Ah, Blandre le Magnifique. Blandre le Magnifique nous rejoint pour nous aider à résoudre ces énigmes. Est-ce qu'il y a quelque chose dans, à l'extérieur, à la demeure? Non. Faut mettre 999 pièces dans la machine. Ah d'accord. Fallait aller en dehors. C'est dégueulasse, ça, comme technique. Ah, par contre... La musique est plus sympa. J'aime beaucoup le violon derrière. Ah, bref, pardon. Bon. Tu as essayé de me laisser partir, hein? Désolé, je ne crois pas vous connaître. Non. C'est moi, ton vieux pote Avarice. Et tu dis que tu ne me connais pas, hein? Avarice? Oui. Qu'attendez-vous de moi? Hein? Je veux que tu ne m'oublies pas. Tu auras besoin de moi et de mon caractère impitoyable. Comment pourras-tu réussir sans moi, hein? Écoutez, j'ai essayé de changer pour une raison. Peut-être que j'aurais mené une meilleure existence. Oh la vache, quoi. Hein? Une meilleure existence? Idiot! Tu es ce que tu méritais. Tu aurais dû rester avec moi, tu aurais tout eu. Mais il n'est peut-être pas trop tard. Ouais, c'est tellement déroutant. Écoute, ensemble, nous pouvons... Quoi encore? Oh! Raison! Avarice, serais-tu en train de faire des tiennes? Ah, raison! Tu n'es pas le bienvenu ici. Silence! Toutes mes excuses pour cette interruption. Écoute-moi. Il est vrai qu'il t'a aidé à atteindre tes objectifs. Mais tu étais jeune. Tu es encore jeune. Savais-tu ce que tu voulais?
rien dire. Bien sûr qu'il le savait, tu le savais, je le savais, nous tous le savions, vous le saviez, ils le savent. Il a besoin de moi, et toi, raison, tu ne peux pas le renier. Seul moi le fais avancer, qui d'autre le ferait sans moi, sinon moi? Oui, tu n'as pas complètement tort, mais peut-être qu'il a besoin de prendre une autre direction dans sa vie. Hein? Tu dois me faire confiance, pars et réveille espoir. Il est le seul à pouvoir t'aider. Attends, n'écoute pas ces inepties. Ok. Oh putain. Que se passe-t-il? Espoir. Avarice. Raison. Mal à la gorge de dire ce mot. Squalala. C'est un peu ça, ouais. Ah. Ah. Petite cock ring. Des jambes courtes, mais je peux... Oh putain, les tuyaux rouillés, oh, c'est bon, je prends pas pour un nid. Ne te fais pas plus con que tu ne l'es. Non, putain. Ramasse-le. C'est la pub pour les assurances, là. C'est ça que j'ai raison aussi. Objet trouvé. Ok. La cock ring. C'était où déjà? C'était... Mais accouche, fais quelque chose là. Alors sauvegarder. Et on va voir ce que c'est le trou dans le mur. Oh merde, c'est rien. Oh mais moi j'attends une mort moi. Makema, si tu comme il n'y est pas. Ah oui, non, non. Goblins 2, ce sera demain. Suite de Goblins 2. Goblins 2, le jeu de ouf. Le jeu ô combien qu'il est dur et qu'il est chiant, mais qu'il est drôle. Anneau ! Et bim ! Le voilà ! Hop ! Ah bah non, il était déjà bien placé. Non, pas du tout. C'est... Non. Là, il est bien placé. Merci. Bah, c'est bon. Ah putain, mais non, quel abruti, j'ai mis le... Oh là là. Oui, c'est vous, comment allez-vous? Clac, clac. Voilà. Petit feu. Vous croyez que j'avais... Faudra un cheminée, quoi. C'est fait, je pense. Et ensuite... Putain, rien. Ah, plus de feu. Fin feu. Mais pourquoi le feu s'est-il éteint? Mais dis, Jamy, pourquoi le feu s'est-il éteint? La petite voix, c'est insensé. Que signifie tout cela? Ah, allez, le nez, quoi, putain de merde. Ah, la créature de cauchemar. Oh, vas-y. Bonjour, je t'en supplie, arrête. Mais non. Allez, on va bien s'amuser. Ne t'approche pas! Ne t'approche pas, je suis violent! Je n'éprouve pas de sentiments! Reste loin de moi, s'il te plaît! Mais non, Réa, c'est un pote! Regarde comme il est gentil! Ah merde! Parce que je suis curieux, hop, Alt F4. Je vais voir si on pouvait pas se cacher tout simplement dans... Je vais continuer. Oui, je vais continuer. Si on pouvait pas se cacher tout simplement dans la cheminée. Ah non, c'était pas là. Il est où? Le feu! J'ai bien la cock ring. Oui, j'ai la coquerie. Ok, anneau. Voilà. Petit puzzle. Ok.
C'est fait. Et ensuite. Voilà. Et là, oh mon dieu. Je peux pas. Ah mais en fait on pouvait pas aller dans le. Ah moi je croyais qu'on pouvait aller dans le. Oh on peut pas. Je peux pas l'esquiver. Oh. Ah mais c'est tout nul en fait. Ok. Chapitre 1, agonie. Je suis tellement confus. Cette chose m'a eu. Espoir. Il m'a abandonné. Y a rien là-bas. Qu'est-ce que c'est? Notice boards. Sons des contrats? Ah! Ah! Des contrats signés par mes clients et moi-même. Madame Goodwin, Monsieur Taylor. Je n'ai pas compris les enjeux quand je leur ai demandé de signer. Si seulement. Bonjour. Je vais garder la partie, ok. Il n'y a rien là-bas, d'accord, j'ai compris. As-tu peur, garçon? Are you scared, boy? Boy. Ah. Ha, ha. Ah, ah. Qui c'est? Je suis ta mère. Ok. Room. Non. Il n'y a rien là-bas. D'accord. Toujours peur du noir? Bon. Regarde-toi, un homme qui a peur de sa propre ombre. Ah! Montre-toi! Ah. TARDIS! Ah non, c'est rouge. Ou alors je vais descendre et je vais atterrir dans le... au ministère de la magie. L'eau! Ça te fait quoi d'être dans l'obscurité? Ça te fait quoi d'avoir perdu espoir? Qui est-ce? Tu récoltes ce que tu as semé. Oui, c'est ce que j'ai mis. Pour répondre à ta question, je suis... Agonie. J'en ai assez de vous. Fichez-moi la paix. Je ne disparaîtrai pas. Je suis la nuit. Tu peux seulement, méchant, mais personne ne peut survivre sans moi. Je vous sens depuis si longtemps, je n'en pouvais plus. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille, je n'ai pas besoin de vous. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Tu n'apprendrais jamais, tu n'apprends pas sans moi. Ok. Mon objectif est de te faire souffrir. Et ce faisant, je te traque. Allez vous faire foutre. Vous ne pouvez plus m'atteindre. Bientôt, mon ami. Ouais, c'est ça. Salut. Oh, je sais. Toujours rien. Toujours rien. Ah. La poutre, la bouche. Ah, papa, maman. Parlez. Maman, papa. Pourquoi êtes-vous là? Qu'est-ce que c'est? C'est la pété! Nous sommes une partie de tes souvenirs, nous sommes tes parents. J'ai envie de faire les voix des parents, là. Ouais, nous n'avons pas raison, ni espoir, ni amour, ou autre. Mais nous agissons à leur place, dans les endroits qui ne leur sont pas accessibles. Tu es dans un endroit sombre, mon fils. Comment vas-tu, mon chéri? La musique est juste chiante, en fait, là. Comment vas-tu, mon chéri? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de ressentir quoi que ce soit. C'est pour ça que nous sommes ici, mon fils. Ton père a raison. Nous sommes là pour reparer tout ce que tu as perdu. Et il reste toujours... Il reste toujours une raison pour laquelle il faut se battre.
Nous conscients que c'est difficile à supporter, mon fils. Vous me manquez terriblement. Vous allez bien? Ne t'inquiète pas pour nous, mon chéri. Nous nous reverrons certainement le moment venu. Finissons-en pour que nous puissions partir d'ici, mon fils. Tu as raison, chéri. Le café est mauvais ici. Chier que votre café... Mon fils, cette... bourre qui nous a envoyé ici. Cet endroit sombre, tu dois t'en échapper. Autrement dit, il te consumera, petit... Autrement, il te consumera, petit à petit. Pardon. J'aime pas cet endroit non plus. Que dois-je faire? Ah! Ferme les yeux, mon fils. Ferme tes yeux, mon fils. Ah, pardon. Prends une profonde inspiration et concentre-toi, mon chéri. Imagine la lumière. T'as mis ce boulou. Ah. Appuyez. Appuie sur espace pour ouvrir les yeux. Incroyable. Instantané. Bonjour. Hook. C'est différent. Effet. Domaine. Point. Première partie. Ok. Je... Ah non, examiner. Je crois que j'ai parlé. C'est un banc de scie. Hein? Un banc de scie? Il y a aussi du bois là, peut-être pour réparer la clôture. Ok. C'est très méta par rapport au... Bah c'est surtout... Ouais, je sais pas. Je sais pas trop en quoi en penser pour l'instant. C'est pour réparer la clôture, d'accord. J'ai peur du noir. Et... Ah. Il manque un bout de clôture. Presque tenté de le réparer. Mais vas-y, répare. Pas comme si t'étais pressé. Ah, une rangée de patates. Ah, putain, encore les patates. J'adore l'odeur. La terre, quoi, les patates. Quelle charmante petite maison. Je me demande qui vit ici. Chérie. Ah, c'est amour. J'ai déjà réparé la clôture. Désolé, non, pas encore. Prends ton temps, pour l'instant, je prépare une... Ah, je prépare une tarte aux pommes. C'est à ta Suzanne. Ok, ok. Chérie, j'ai pas reconnu sa voix. Elle avait l'air d'avoir mon âge, cependant. Je dois admettre que c'était très agréable. Bon. Oh, hein. Examinez. Il doit y avoir un marteau ici. Fais-toi un coup d'œil. J'en ai un. Incroyable. J'ai trouvé. J'ai un marteau. Y'a pas de clous? C'est tellement calme et tranquille ici. J'aime plutôt ça. Oh. Chérie! Je répare la clôture! Répare la clôture, qu'elle a dit. Et j'ai besoin de raccourcir un peu la planche. Et là, c'est le bras, mec. On devrait le faire. Non. Marteau et clou. Oh! Planche! Ouais. Marteau et clou, voilà. On devrait le faire. J'aurais jamais pensé aimer faire ça. Ah, une rangée de patates! Ok. Ouais, du bateau! Putain, mais le vieux qui arrive dans de ses où. Ouais! J'étais là, derrière tes outils, je t'ai caché! Gagné! Ok. Tu t'abuses? Ouais, je crois que oui. Je pense que je me répète, quel est cet endroit? Je suis si ravi de voir ce sourire illuminer ton visage. Tu es dans le domaine... espoir. Cet endroit est une illusion, mais il reflète la réalité. Illusion? Ouais, je pensais... J'ai pensé que je ne pouvais pas rester ici. Là, là, ne sois pas... Ne sois pas de mauvaise humeur. Je t'ai dit que ça le reflétait la réalité, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Regarde autour de toi. Ouais, tu vas sentir. L'odeur qui sort du four, pourquoi cela ne pourrait pas-il être ton avenir?
Pourquoi mériterais-je de... Pourquoi mériterais-je de telles choses? Putain, c'est moche. Toutes ces vies que j'ai ruinées. Tu es bien trop dur avec toi-même. Tu faisais juste ton travail. Tout ce dont tu avais besoin, c'est de changer... Mon petit, c'est de changer de voix. Mais tu as gardé tout cela en toi pendant trop longtemps. Si... J'ai essayé, vous savez. Mais cela n'est pas chose aisée. Chose aisée! Moi-même me suis laissé... Me suis laissé aller. Eh bien, ceci est ton chemin vers le salut. Ce n'est pas censé être facile. C'est une bonne occasion de regarder un peu plus autour de toi. Regarde. Recharge tes batteries avec cette lumière régénératrice. Tu en auras besoin dans le noir. Merci encore. Raison! Je ferai de mon mieux. Ça tombe bien, j'avais une lumière purificatrice dans la poche. Ok, j'entre. Ah, on va rencontrer... Raison. Ah, ou pas. Soir. Soir. C'est quoi qui est marqué derrière? Génial, de retour à la triste réalité. C'est quoi? Rage? Non? Ah, c'est... Je vais sauvegarder. Ring! Un vieux! Un vieux à moustache. Ah! Pas de moustache. Hop. Tissons dans la gauche. Bonjour. Oh. Tu cherches probablement Mr. Blackwell. Ne va pas plus loin. Pourquoi je vous chercherais? N'est-ce pas évident? Tu es venu me voir en direct. De toute évidence, ma réputation m'a précédé. Exact. Que faites-vous donc? Encore à jouer d'ignorant? Très bien, je vais jouer ton jeu. Je suis un homme accompli. Je suis brave, sans peur, beau et très populaire parmi ces dames. Toutefois, moi, George Blackwell, je maîtrise l'art des cartes. Je suis imbattable. Tant mieux pour vous. Eh bien, je dois y aller. Attends, attends, je n'ai pas fini. Je pourrais continuer encore et encore à propos de mes faits. Mais tu es à nouveau ici, non? Allez. Dans ce cas, permets-moi de t'expliquer une chose. Nous sommes un peu... Bien... On pourrait dire que nous sommes coincés ici. Dites-moi plus. Tu vois ce gorille, là-bas? Une fois par jour, un seul d'entre nous peut partir ici. Et seulement pour quelques heures. Continuez. Nous avons eu cet accord avec les autres personnes. Une fois par jour, nous jouons aux cartes et le gagnant a le droit de sortir. Une chance de résoudre l'énigme au-delà de la porte. Non, je suis le maître des cartes, je n'ai jamais perdu. Et c'est pourquoi c'est moi qui passe cette porte à la fin de chaque journée. J'ai compris, vous êtes fort. Pensez-vous que je puisse participer? Toi, contre moi? Monsieur petit, ce serait amusant. Je suis impatient d'y être. Ok, super. Très... Où penses-tu aller ainsi? Ça va être machin, désolé. Hé, hey, gros bourrin! La boule! Le gong! Puis-je passer, s'il vous plaît? C'est plus tard. Ah, là, je peux rentrer. Oh putain, il y a des vieux partout. Ah, oh, je vais pas faire tout, je vais pas faire les voies, que les voies de vieux. Hein. Ok, que faites-vous? What? Pas poli de pas répondre, vous savez. Hey! Arrêtez de crier, laissez-moi tranquille. Hé hey, silence. Hé hey. Pourquoi voudriez-vous... Vous... Désolé, avez-vous besoin d'aide pour cette énigme? Non, c'est à moi. Arrête de crier sur notre invité. Ne laisserais-tu pas t'aider? J'ai déjà passé plusieurs heures sur ce truc. Silence, femme. Monsieur, vous ne criez pas dessus comme ça. Il vaudrait mieux lui donner ce puzzle ou autre chose. Désolé, mon mot. Bien. Il n'y a aucun moyen de résoudre ce problème. Je vais essayer, merci. Peu importe. Ok. Ok, montre-moi ça.
Énigme. Je peux pas regarder les... Non. Vas-y, montre-moi ton énigme. Madame Béatrice. Non, en vrai, elle est gentille. Ok, entrez. Énigme. Tendre l'oreille. Quelque chose de louche chez lui. Je sais. Sa tante, il continue de gagner. Tôt ou tard, ça change son nom. Ok. Pourtant, c'est suffit de votre question aujourd'hui. C'est notre tour et briller au jeu, j'espère, mon cher. Diable, c'était pour gagner à chaque fois. Je me méfie. Toi, chérie. Moi, je suis d'accord, il se passe quelque chose. Ok, toi, énigme. Être un homme intelligent. Eh bien, merci. Avez-vous besoin de... Avais-tu besoin de quelque chose? J'ai du mal à résoudre ce puzzle. Vous voyez? Non, non, j'en demandais pas tant. Moi, George Blackwell, je suis le maître des cartes. Passe-le-moi, s'il te plaît. Le voici. Maintenant, laisse-moi me concentrer dessus. Et si la... Ok. D'accord. Ok, au moins on l'occupe comme ça. Ça avance. Non. Très concentré. Ok, cool. Ah bah attends. Oui, voilà, c'est ça. On va aller dans sa chambre. Le voile rouge, seconde partie. Qu'est-ce que c'est? Ah. Un coffre fait d'acier épais. Cache-t-il quelque chose? Pour le savoir, j'ai besoin de la combinaison. Ah. Il faut se cacher. Oh putain. Ah, d'accord, ok. Juste besoin d'un stylo et je pourrais écrire là-dessus. Ça serait stupéfait de voir à quel point je vais gérer. Peut-être même qu'il me récompensera. Ouh, c'est temps. Ok, Georgie boy. Concentration. La combinaison. 6. 4. 9. 4, 9. Fais un nouveau toi. Tout est prêt maintenant que j'ai mon stylo. Peut-être que je devrais m'habiller pour vraiment apprécier ce... Oh shit. Je crois qu'il sera super impressionné. Non mais y'a aucune pression, arrête quoi, putain. Mais encore une fois, ce reste trop haut. Oui, oui, je dois jouer cool. Il est en impressionné. Merci, Mel... Elle rêve qu'il a noté, bien entendu, dans le chat. Au cas où j'oublierai. Qu'est-ce qu'il était présent. Phew, c'était juste. Pas gênant du tout. Du tout. 6, 4, 9. Ah bah tiens. 6, 4, 9. Pouette. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, je l'ai. Il triche avec ses cartes. Ah! Ce gadget tire un as de sa manche. Pas étonnant qu'il gagne tout le temps. Je pense que je pourrais le saboter. Ça va le faire. Il ne rendra plus compte de rien avant qu'il soit... Ok. Cool. C'est quoi, c'est une horloge qui tourne? Ça se pourrait. D'accord, ok. Entrez! Ça avance? Ok, il est concentré. Très bien. Puis-je passer, s'il vous plaît? Non, peut-être plus tard. Ok. Tendre l'oreille. Aujourd'hui, non, je vais y aller, je suis sûr. Je vais maintenant. C'est juste sur temps. Je suis pas allé là-dedans, tiens. Souvenir de cauchemar. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est si fascinant. D'accord, il a joué. Ah, un cauchemar de quand j'étais petit. J'étais un Jedi. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Pas encore cette chose. Je suis effrayé. Regarde, enfant. Ah. Oui. Ben voilà. Là, moi, je veux. Je vous déteste, dégagez. Je me cache, je suis à quoi. Tu te mettras à pleurer, tu ne vois rien. Je t'en prie, allez-vous-en.
Camarade d'école se moque de toi. Oh, attends. T'as pas d'amis. Ha ha ha. Spécial pour le colloque. Ah, tes parents t'aiment pas, et papa, toi, et ta maman. Maman, papa. Chérie. Crise cardiaque. Voilà. Mon. C'est papa, ça? C'est maman? C'est papa qui a un très mauvais pyjama? Ou c'est maman qui s'est pas rasé la moustache? Un mauvais rêve? Oui. J'ai encore entendu chuchoter. Ah non, c'est maman. C'est maman qui s'est pas rasé la moustache. J'ai ma peur, c'est seulement ton imagination. Mais il y a bien... Il y a quelqu'un dans ma chambre, maman. J'ai peur. Personne, n'aie pas peur. Nous sommes différents dans le noir. Mais tout est pareil qu'en plein jour. Tu devrais retourner au lit. Demain est un grand jour. Quel jour, maman? Soirée sonna. Demain, c'est ton anniversaire. Demain? Je sais pas, Michael, c'est ce que je suis né. Youpi! Chut, papa dort, ne le réveillons pas. Désolé, maman. Maintenant, retourne au lit, chérie. Oh, ok, maman. Bonne nuit, chérie. Eh ben... C'est soudain. Je faisais souvent des cauchemars. Mes parents étaient toujours là pour... Après. Entrez. Ok. Bon. Non, je peux toujours... toujours... Non. Ok, toujours. Toi, est-ce que t'as réussi? Tu veux essayer de résoudre l'énigme? C'est trop difficile pour moi. Oh! Il m'a suffi de m'y pencher dessus une seule fois et ça fait résoudre. Trop facile, encore une fois, tout est facile pour moi. Tiens, prends ça, tu seras stupéfait. Oh. 24. 2012 Sanctour, un petit peu, ouais. Tiens, ton énigme. Et vous aimeriez peut-être le récupérer. Vous avez réussi, hein? Pas sûr. Oh, ta fierté pour une fois. Oui, oui, mon amour. Ok, alors. Voyons ça. Ouf. Quatrième, à gauche, cercle et triangle. Ah, tirage? Non? C'est l'heure, mon cher! De jouer aux cartes! Ah, bah voilà. Le joueur de nous, je suis sûr qu'il peut se joindre à nous, il t'a aidé. Ok. Bien, les règles sont simples. Oh putain. Le gagnant a le droit de sortir. Jouons. Comment allez-vous tous? Je me demande si Monsieur Blackwell va encore gagner. Je compterai pas là-dessus. Mais je serais surpris. Hein? Peu importe, je me sens chanceux aujourd'hui. Ah! C'est un jeu de hasard, c'est un jeu, un jeu d'adresse. Donc il n'y a qu'un seul résultat possible. T'es trop confiant, Monsieur Blackwell. Vous ne pouvez pas toujours gagner. L'avenir nous le dira, madame. Allez, une fois besoin d'entendre que le meilleur gagne. Non! Il gagne tout le temps, c'est louche. T'as raison, mon cher. Mais nous sommes préparés. Hein? Contentons-nous de jouer, d'accord? Bon, montrez-moi vos mains. Reine de pique. 10 de cœur. Valet de trèfle. 8 de pique. 3 de carreau. Vous êtes en train de gagner. Monsieur Blackwell a besoin d'un as pour gagner. Pas moyen qu'il sorte ça. Oh, bande d'imbéciles. Regardez-moi. Mr. Blackwell, je le savais. Il triche. Non, c'est juste que... Sale fouine. Vous ne comprenez pas. Je suis si prêt. Vous n'avez pas ce qu'il faut. La ferme. On se calme, s'il vous plaît. Mon cher, tu sais quoi faire? Oui, allons-y. Ah oui, c'est sévère, quand même. Non, quoi? Attendez. Tartare de vieux. Voilà, le remake du 1. Mireille Mathieu. Un gros arbre. Mireille Mathieu sont un gros arbre. Oreille droite, oreille gauche. Oreille droite, oreille gauche. Oreille droite, oreille gauche.
et Zévi. Que vient-il de se passer ? Je dois continuer à avancer. Au-delà de là-bas. C'est quoi, YouTube ? Pour savoir ce qu'il y a au-delà de la porte, tu devrais acheter le jeu. Là, nous arrêtons là. Incroyable, n'est-ce pas ? Bien, en tout cas, j'espère que le jeu t'a plu. Vous voyez un peu l'exemple de ce jeu. On retrouve quand même un peu le début de la première. C'est juste, à mon avis, moi, je vois vraiment ça comme un enfer de Dante. Enfin, bref. Voilà. Du coup, si ça t'a plu, tu mets un pouce. Sinon, tu te casses. Je te dis à la prochaine. Je te fais plein de bisous et je te dis... Ciao.